Bonsoir, bonsoir, merci Glursbug pour le sub. Alors maintenant oui, je fais carrément des niveaux de Super Mario Maker hors live, c'est très très grave. Hein. J'atteins un niveau de fanboyisme. Je vous jure, je prends du plaisir à jouer à Super Mario Maker maintenant, mais hors live. Bref, ce que je veux dire, merci beaucoup Glur pour ton 8ème mois d'abonnement consécutif, mais pour ton 9ème mois d'abonnement total. Il était simple ce speedrun, je l'ai first try. Pas grave, bref. Merci pour ton abonnement, ne te sens pas faible face aux 100 subgifts qui ont été faits, c'est bon, c'est très gentil, merci beaucoup Glur, bonsoir BabaGuessHot, bonsoir Tibiller, bonsoir Marrenard, bonsoir Sensei, bonsoir Henri 23, bonsoir Xéon, bonsoir les gens, Sensei qui était le premier aujourd'hui à avoir dit bonjour sur le live, tu es un boss, Sensei je t'aime, je t'apprécie. Moi aussi mon abonnement prendra fin aujourd'hui. T'as vraiment écrit comme ça Henri 23, je crois que tu t'es... je crois que t'as fait une légère faute d'orthographe. You've been Rickrolled. Je risque de me faire claim si je mets la musique, non? Mieux vaut pas tenter. Hop, là on a un speedrun difficile visiblement. Un speedrun difficile de 50 secondes. Bonsoir, merci Tibiller pour le petit raid. Mes accoudoirs, ça ne veut plus rien dire. Ils n'existent quasiment plus. Quand j'aurai une caméra de qualité que je pourrai déplacer comme bon me semble, je vous montrerai, mais ça n'a aucun sens en fait mes accoudoirs. Quand je vous dis que je tabasse mes accoudoirs, c'est pas pour rien. J'ai eu un espace rebelle. Let's go, c'est pas grave. On dirait que ça gêne un petit peu, non? Cet espace rebelle. On dirait que ça gêne de dîner avec nous. Alors, normalement le bot est censé prendre vos niveaux. Pourquoi est-ce que, encore une... Là, normalement, je suis censé avoir réglé le souci du bot. Oui, oui, Glur, je l'ai mise dans le stream deck, ça y est, t'es content? T'es content, Glur? Et salut Tacos, salut Ghost Tacos. Je vais faire ton level juste après, mon cher Babagas. Je te promets. Je te promets de le faire juste après. Juste après, là je vais réussir. Et juste après je fais ton level, c'est promis. Promis, juré, craché. J'ai envie de faire une super blague repompée de Mr. JD, mais je la ferai pas quand même. Tu sais, Glur, craché, tout ça, ils aimeraient bien. Hein. Mieux vaut pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Ok, attendez. Je dois suivre les pièces, il faut suivre le conduit. Ok, checkpoint, easy. Si je perds, je ferai un sub. Si je perds, je ferai un sub, attention. Ça se passe bien. Ouais. Vais-je devoir offrir un sub? Non, c'est bon. Parce que je suis juste en fait un stromon. Et ferme ta gueule, Loïc! Oui, Loïc, c'est moi. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé. Qui t'embrassait et te faisait pleurer. Je crois que je dois un sub, c'est ça? Il me semble que je vous dois quelque chose, là, du coup. Faites chier, hein, quand même. Casser les burnes, hein. Mais le pire, c'est que là, je le passe facilement, mais c'est pas possible. Je pensais que ça allait être un passage difficile, mais pas du tout. Regardez! Regardez! Je suis en train de tout déboîter! C'est une honte. C'est une honte, je l'ai passé du deuxième try. Bonsoir, Pounouche, le vrai! Ouais! Tout pareil. Faut que j'aille sur Twitch. 265ème blague homophobe de Le Maître du Masque. Ta gueule, Glur! C'est drôle, les blagues. Et bonsoir aussi, Banana Mère! Putain, Banana Mère, tu ne me hostes plus! Quelle honte! Tu es une honte, tu es honteux. Bref, je vais faire ton level du coup. Et ensuite, je ferai celui de Ghost Tacos. Alors, celui de. Bah, de. C'était qui? Babagas Host. Attendez, je retrouve. Je dois faire à l'ancienne, à la bonne franquette. Voilà. Je dois remonter, scroll le chat. Comme disent les jeunes, hein, je dois scroll pour retrouver vos niveaux. Puisque visiblement, mon bot n'en fait qu'à sa tête. Pourtant, je vous jure qu'après le live, j'ai pris 10 minutes pour le re-régler. Et j'ai tout désinstallé et tout réinstallé. Je l'ai déconnecté de Twitch pour le reconnecter et tout. Rien n'y fait. Alors que la dernière fois, quand ça m'avait fait ça, le fait de reconnecter à Twitch, bah, ça avait réglé le problème. Donc ça casse un peu les couilles, mais bon, c'est pas grave. Je trouverai forcément au bout d'un moment l'origine du problème. Hop, RDG, prépare ton copier-coller, mon cher Ghost Tacos, parce que le prochain level que je ferai, ce sera le tien. Babagas, j'espère que t'as fait des super nouveaux levels depuis. Eh, cornichon. C'est marrant, ça. Je l'ai pas fini. Un Light Kaizo. J'ai pas encore acheté de caméra, Pounouche. Je n'ai pas encore acheté de caméra.
Light Kaizo, 0,41% de réussite. Tu t'appelles comment sur SMM2? Mais tout pareil, hein. Je m'appelle Dalida, évidemment. Quelle bonne question. Will you complete the tower challenge for LMDM? On m'a fait un level spécialement pour moi. Et je ne l'ai jamais fini. Genre, il y a marqué, il y a un drapeau blanc. Si vous regardez bien, en haut, là, ici. Il y a un drapeau blanc. Et ce drapeau blanc indique que j'ai joué au level, mais que je ne l'ai jamais fini. C'est parti. On va le finir aujourd'hui. Va dans les cools. Comment ça va dans les cools? Ah, dans tes niveaux cools? Non, j'ai envie de faire le level spécialement que tu m'as fait pour moi, mais que j'ai jamais terminé. Parce que je suis nul à ce qui paraît. Ça, faut pas le dire. Ok. Oh putain, je m'en souviens de ce level. Mais le pire, c'est qu'il a genre 3% de réussite, il me semble. Un truc comme ça. Donc c'est vraiment une honte si je le réussis pas. Mais bien sûr que je m'en souviens, tu me l'avais préparé il y a genre déjà... combien de temps? Je sais pas, mais genre il y a 2 mois, tu me l'avais déjà préparé ce level. Je vais tricher. Je sais que normalement je suis pas censé faire comme ça. Mais le maître du masque, c'est un tricheur quand même. Hein. Ok. Le maître du masque, c'est vraiment un salaud. Hein. Non. Oh, le maître du masque, c'est vraiment une grosse merde. Et ça, il y a bien des streamers qui peuvent le confirmer. Putain, tout le monde nous déteste sur Twitch, c'est pas pour rien, quoi. Allô? Le maître du masque qui dit des vérités. Non, mais putain! Pardon. Non, attendez! Le titre du live, c'est « Je fais un live sans rager, sinon conséquence. » Alors, je ne ragerai pas. Ça se voit que là, je suis en train de ne pas rager. Ça se voit, hein. Mais bien sûr. Ah, mais là, il y avait une pièce et j'avais loupé la pièce. Donc là, je peux pas y aller, donc je suis obligé de me SD. Ok. Y a eu de la rage pourtant. Non, Kobo, c'est pas vrai, ça. D'ailleurs, bonsoir, Kobo, évidemment. Bonsoir aux gens à qui je n'ai pas dit bonsoir. Notamment Glacide, hein. Glacide qui m'a donné comme défi quotidien. Comme défi quotidien du jour. Évidemment, hein, quitte à faire des pléonasmes, de faire un texte de tout ce que j'aimerais dans ma vie quotidienne, mais de le faire en italien, pour que je puisse train mon italien, justement. Autant c'est une excellente idée, autant je risque de crever à prendre 1 heure pour faire ça hors live, parce que j'ai encore aucune connaissance en italien. Ça passe. Et là, en vrai, je peux juste faire ça, non? Ah non, pas du tout. Ok. Du calme. Ok, donc là faut juste survivre. Ouais. Tout pareil, hein. Oh là là. Je dois avoir un problème psychomoteur. Ah non, il faut juste vraiment se SD, d'accord. D'accord, il faut se SD pour pouvoir passer. J'ai failli stresser, hein. Vous l'avez vu peut-être à mon visage. À mes 2 mégapixels de visage, j'ai failli être vraiment dans la merde. Par contre, il faut que je fasse quoi du coup? Ouais. Ouais, tout pareil. Ah, mais vous l'avez chez vous à l'hospice, évidemment. D'accord. Vous l'avez chez vous, évidemment. Et du coup, Mifacidon qui dit, je reviens plus tard si t'es encore là pour te donner un level, y a pas de problème Mifacidon, mais... Oh le connard! Pardon. Oh le super mec super sympa quand même. Et comme ça t'auras le droit à ta gommette verte, je veux ma gommette verte aujourd'hui. Et ça, ça fait du bien, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais faire des petits trous dans mes gommettes? Je fais des petits trous, encore des petits trous. Fallait que je le place. Des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou. Je n'entendrai plus par mes trous. Chaque des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Le stress. Le stress est à son paroxysme. Le niveau a 3% de réussite et je l'ai jamais fini alors qu'il a été fait pour moi. Ça me termine. Merci beaucoup Yann pour ton follow. J'espère que c'est Yann Barthez. Je suis fan de toi, Yann Barthès. Cette anecdote est fausse. À quoi elles servent les pièces, en fait? Oh non! Je me souviens, j'avais déjà atteint cet endroit, ce passage.
Ah, je m'en souviens. Ok, donc là, on a un safe spot. De souvenir, on a un safe spot ici. Si je me mets là, normalement, je me fais toucher par rien du tout. Ok, c'est bon. Je pose la manette. J'examine. Et le jeu qui me dit va te faire enculer, tu n'as pas le temps d'examiner parce qu'il me reste 99 secondes. Bref, sympathique 00, bonjour, bonsoir aussi à CCJ2004 qui dit « Salut le best, ça va ?» C'est vrai que je suis le meilleur streamer de l'univers, j'avais oublié ça, mais c'est vrai, tu as raison. Les 0,2 mégapixels de visage, tu veux dire ta gueule, d'accord. Yann, rejoins le Discord ou conséquence. Merci les modérateurs pour le point d'exclamation Discord. Qu'il est beau ce LMDM. Cette anecdote est fausse. Salut Clément, waouh, j'espère que tu vas bien. Je vais me mettre dans une position confortable, c'est-à-dire une position qui pour les trois quarts de ma communauté serait une position inconfortable. Mais je vais me mettre dans une position confortable et finir ce level. Ok, c'est parti. Ok, là je dois attendre. Bah, j'ai réussi à passer le passage. Je suis juste instrument en fait, c'était littéralement la fin. C'était littéralement la fucking fin du niveau. C'est génial. Recommence le niveau. Ah non. Hein. LMDM, ok, ouais. Il y avait une porte secrète. Je sais pas à quoi elle mène, mais en tout cas, j'ai fini. Let's go. Et je peux reposer ma jambe. Let's go. La ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. Allez, Ghost Tacos, j'avais promis de faire ton level. Alors, let's go. Hein. Et un fliglio dit... Ah, ça veut dire... fils de personne respectable, non? Il me semble. J'ai un code créateur, MDM va-t-il voir mon message? Pas du tout, Tibilor. Non, j'ai pas vu ton message, n'hésite pas à le remettre juste au-dessus là, enfin dans le chat. Ah mais non, oh mais j'affiche pas les messages, c'est vrai, là-bas. Là-bas, enfin non, par rapport à vous, ce sera là-bas du coup. Vogel, je suis sur OBS, donc pour moi c'est là, enfin pour vous. Niquez vos races. Alors, Ghost Tacos, je fais ton level, ensuite je ferai du coup celui de Giovanello. Giovanello War qui vient, qui pose son level. Il y a marqué que c'est son premier message. Mais il ne dit pas bonjour. Merci Gleur de reprendre les gens. Hello, good afternoon. Yes, I am. Yes, I am. Je suis fort en anglais, hein. Yeah. Alors, du coup, vas-y, Ghost Tacos, ton level. T'es hyper lax. Comme tu sais qui, hein. Merci Giovanello War pour le follow. Ghost Tacos, ok, il m'a envoyé son level. Et je suis hyper lax comme un de tes potes à toi, comme Jean-Joseph. Un de tes potes à toi, Glacide, hein. Un de tes potes. En vrai, Glacide, ça te dérangerait pas de genre aller choper Jean-Joseph. Et puis de, je sais pas, genre laisser Cherry tranquille. Quoi? Alors, FLB. Pourquoi je dis ça en live, moi? Je suis vraiment une sous-merde, en fait. Mais vraiment, tabassez-moi. Il y a des fois des choses, je les dis, et je me rends compte seulement 5 secondes après que je suis vraiment une merde. Castle Key Crazy Mechanic. 14% de réussite. Et ça, c'est unique. Ça, j'aime bien. Et ça, c'est unique. Let's go. On y va. I am a boss. Yes, I am. Yes, I am a boss. Ah, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Ok, il faut que j'aille ici... Que j'aille là, que j'aille ici, que j'aille là. En fait, c'est une sorte de mini-labyrinthe. Si je comprends bien d'après mes calculs. Il y a un checkpoint. Ouais. Alors. Je suis pas sûr à 100% d'avoir tout capté, mais... Wow. Comment il s'appelle l'animal ? Castle Key Crazy Mechanic, il porte bien son nom. Je crois qu'il porte bien son nom. Donc là, je suppute qu'il faille tout simplement aller... Pas là-bas, du coup. Où est-ce que je dois aller me casser, moi? Je peux pas me casser là-bas? Ah non. Ok, je me casse ici. Bah non. Oh, j'ai envie de crever. Ça y est, ça demande déjà de la réflexion. Ah oui, non, c'est bon. Du coup, je peux activer ça. Passer ici. Aller ici. Ah merde! Je suis daltonien! Mangez vos morts! Attendez, mais... Putain, où est-ce que je me casse, là, maintenant? Si Gleur, t'avais pas fait la rêve dans le chat, je ne l'aurais pas mise. Je l'aurais oublié, carrément. Hop, on peut passer avec cette petite clé. Oh, Seigneur Saint-Dieu. Oh, Seigneur Saint-Dieu, brisez-moi les testicules. On est reparti. On retourne en arrière.
Et non, Jamy. Maintenant, je vais ici. Ensuite, qu'est-ce que c'est que je fais? Je vais là. Je fais ça. Tac, tac. Ici. Mais si, par exemple, j'alame ici. Si j'alame là. Bah non, on peut pas alamer là. D'accord. Si j'alame, du coup... où est-ce que je peux j'alamer? Ah, c'est quoi? Y'a rien qui spawn? Ok. Ah, mais je peux aller là. Pardon. J'ai des petits soucis mentaux. Hop, hop. Et maintenant, je peux redescendre par là. Waouh! Pète les couilles, ton level, hein. Genre, il faut réfléchir et c'est pas trop mon truc. C'est pas comme si j'avais fait tous les jeux Layton. J'adore m'en vanter. Et tu t'en vantes, évidemment, très belle référence aussi à une chanson de Marie-Paul Bell, écrite par Alice Donna. Personne n'aura la rêve. Bonsoir, Mister Saphir. Ok. Première salle terminée, normalement. Salut à tous, c'est la salle. Non, c'est bon. C'est fin du niveau. Fin du niveau. Ok, ok. Je ne comprends rien à ce que je fais, hein. Je vous le dis, hein. Je fais des choses sans vraiment bien comprendre. Je vais ici, je vais ici, je vais là. Donc là, visiblement, il fallait se suicider. J'adore faire ça IRL, n'hésitez pas à le faire vous aussi. Et une fois qu'on s'est suicidé, on peut repartir visiblement d'un côté ou de l'autre. Ouais, d'un côté. Pas de l'autre. Ok. On redescend. Let's go, évidemment. It's me, Mario. Et d'ailleurs, bon lurk, mon cher Red Slime. Tu vas speedrun Mario 64 après ton bac blanc. Casse les couilles, tu vois, toujours autant. Hein. Speedrun Mario 64. Non, mais quelle merde es-tu, quoi. Hein. N'hésitez pas à aller sur le site Google quellemerdestu.fr, évidemment. Ah, putain, y'a un truc qui fait du bruit, mais en fait, c'est mon chauffage, je suis trop con. Oh, je suis limité mental. Mais ça, je le savais déjà. Hein. Ça, vous inquiétez pas que je le savais déjà. Hop, j'appuie sur le petit bouton. Oula. Et attends, quoi? On revient ici, les clés, on respawn? Ah oui, parce qu'on est mort entre temps. Donc les clés sont réapparues. Mais. Est-ce que je peux aller là? Toujours pas. Ok, attendez. Du coup, il faut refaire exactement la même chose. C'est l'exacte même chose qu'il faille faire. Quoi que ça veuille dire. C'est-à-dire venir ici, passer en bas, prendre la clé. J'ai encore largement le temps. J'allais dire finalement le temps commence à passer, mais en fait non. Largement du time. Je suis vieux, hein, je le rappelle. Alors, j'avoue que ce niveau est juste... Ah, c'est un niveau fait par Ghost Taco, c'est quelqu'un de la commu, donc je vais pas pouvoir me permettre de dire que c'est un level qui est fait juste pour être casse-couille et qu'il est aucunement intéressant, quoi. Alors. Hop. Mais méfiez-vous, c'est un truand, évidemment. Vous m'aimez, mais pas moi. Et qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Est-ce que j'étais censé revenir ici? Ah oui, j'étais peut-être censé revenir ici. Ce level n'a aucun fucking sens, hein. Et là, je peux descendre et aller dans le tuyau d'en bas. J'y avais pas accès tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, non. J'y avais pas accès tout à l'heure au tuyau du bas. Ton level, je le fais juste après, Mifacidon, mais attends, j'ai envie de crever après. D'abord, il y aura celui de Giovanello à faire. Attends, il y a un truc que je comprends pas, là. D'après mes calculs scientifiques, de grands savants... J'y comprends fucking plus rien. Et j'en venais de ce tuyau. Ouais. D'accord. Non. Je dois prendre un dégât. Thank you.
Mais c'est un level de fou malade, hein. C'est un level de dangereux, ça, hein. Il faut vraiment être un détraqué sexuel pour apprécier ce level. Je trouve que j'aime bien ce level. Oh, fermez-la. La petite branlette, pas besoin d'aller chercher loin. La petite branlette, ça mange pas de pain, ça fait du bien. La petite branlette, ça dérange jamais les voisins. La petite branlette, c'est sur mesure, ça coûte rien. En tout lieu, à toute heure, la branlette, c'est le bonheur. C'est bien à portée de la main. Je ne comprends pas ce niveau. Ghost Akos ne me propose plus jamais de level énigme. Déjà, le level labyrinthe, j'aime pas. Mais le level labyrinthe énigme, mais t'es grand mort, en fait. Ok, donc là, j'arrive ici. Ce qui va me faire spawn par le tuyau là. Je descends dans le tuyau d'en bas. Je descends en bas, évidemment, pléonasme. Je chope la clef. Et là, normalement... Ah oui. Et là, normalement, c'est bon. Oh. Il faut vraiment être dangereux, hein. Il faut être un grave toxico pour faire des levels comme ça. J'ai rien compris au niveau. Il était très bien, hein. Il était très bien conçu, mais je l'ai pas aimé du tout. Objectivement, il était vraiment très bien conçu, ça, y a pas de problème, hein. Mais j'ai pas aimé, et je dirais même plus. Voilà. Genre vraiment, le maître du masque s'est fait aider par un masque. Le maître du masque qui s'est fait aider par un masque, effectivement. Il y a un masque qui est venu m'enlever une vie pour me permettre d'avancer. Niquez vos races, hein. Eh, bonsoir, Pikachu 2000. Salut, maître du masque. Salut, c'est moi. Salam alaikum, comme on dit... Dans mon pays d'origine, c'est-à-dire la Pologne. Alors du coup, Giovanello qui m'avait proposé un level. On va faire son petit level. Tac, 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 tac. Ah, Giovanello, est-ce que tu peux me reproposer le level? Ah non, c'est bon, je l'ai sous les yeux. Je l'ai sous les yeux, c'est bon. Je l'ai totalement under my eyes, sous les yeux. Je crois pas qu'on dise comme ça. Je crois que les traductions littérales ne marchent pas réellement en anglais. Mais bon, under my eyes, finalement. 0 PF. 0 PF. Ok. Et ensuite, ce sera du coup à Mephacidon. The War Inside. Ah, putain. Quand j'ai vu le taux de réussite, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie. Mais en fait, non, ça va. Ça a pas l'air d'être de la cochonnerie. Funny Shell Jumps. Jumps. Dedicated to my friend Giovanni War. Oh, mais c'est mignon. That's very, very mignon. That's... Oh, Epocon. Faut juste que j'écoute un vocal. 2 secondes. Calmez-vous, j'écoute juste un vocal et je suis là dans 10 secondes. Ok, on va réécouter ce vocal ensemble. On va réécouter le vocal que je viens d'entendre qui me donne envie de me jeter par la fenêtre. On va le réécouter ensemble, hein. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Vous savez qui a enregistré ce vocal. Vous savez évidemment de qui parle ce vocal. Bah écoute, oui, si tu le dis. Et bah je pense que je viendrai vers 21h30, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte, hein, pour Glacide, pas pour toi, mais... Ma communauté et moi, nous te souhaitons cordialement, évidemment, de te faire enculer à sec par un rhinocéros. Ah là, allez, c'est parti, hein, 1,5%. Arrêtez de rigoler dans le chat, d'accord? Arrêtez. République. J'en ferai pendre quelques-uns d'entre vous, hein. Funny Shell Jump. C'est des nuls. C'est vraiment nul. It's a draw. Yeah. Nique ta maman, sale vilaine dame. Merci. N'hésitez pas à lui dire, hein. N'hésitez pas à lui le souhaiter. N'hésitez pas à lui mettre un maximum de messages méchants. La prochaine fois que vous la voyez venir sur un de mes lives, vous lui dites un truc super méchant du genre... Moi, je m'en balance. Moi, je m'en balance, c'est une expression qui fait vraiment très mal. Ok. Je vais me faire un torticolis du cou. En arrière. Si je continue à faire ça. Mais ça fait plusieurs jours que j'ai pu tabasser mon bureau. Mais pas bordel, ma manette elle prend cher. À chaque fois je la jette. Ouh.
Tout va bien. C'est la personne qui a dit ça. Pute. Grosse pute. Mais grosse pute. Là, c'est Mario, la grosse pute. Pardon. Hey, Groon, qui dit salut, c'est ici qu'on poste des purges. Non. Par contre, c'est ici que ma super pote me fout des vents et qu'elle me dit qu'elle aime bien venir en vocal. Juste parce qu'il y a des amis à moi. Et pas parce qu'il y a moi. Bah écoute, oui, si tu le dis. Et je pense que je viendrai vers 21h30, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte, hein. Pour Glacide, pas pour toi, mais... Et après, on me dit, oui, faut pas que tu te jettes dans un ravin. Ah, nique ta race, ma renard, hein. Tu vas être bonne. Non. Non. C'est ta grosse mère, sympathique, pardon. J'ai rien contre les grosses, mais par contre, j'ai vraiment quelque chose contre ta grosse mère. Je ne dis rien. J'avais envie de faire une super blague. Et je me dis que c'est peut-être ban de Twitch, en fait. Mais... Merci, Grunt, d'avoir ajouté ta purge à la liste. Je le copie. Mon bot a des problèmes depuis que j'ai changé de mot de passe. Mais hop, je le copie et je le fais juste après. Celui-là, qui aura ensuite celui de Mifacidon et ensuite le tien, du coup, Grunt. Putain, j'ai envie de crever, hein. Le titre du live. Le titre du live, j'ai oublié. Évidemment, je ne rage pas, sinon conséquence. Évidemment, on est là pour faire un live simple, pour le plaisir. Pour le plaisir. J'espère que tu aimes la glace. Alors, j'aime bien les Bounty glacés et les Mars glacés, à la rigueur, ouais, ça me va. Auré23, qu'est-ce qu'il a dit comme cochonnerie? David Reiss, ah d'ailleurs, bonsoir David Reiss, d'ailleurs, LMDM. Merci d'avoir fait mon niveau, une épreuve hors versus KO. J'ai eu 30 visites de plus sur le level, de rien. Et qu'a dit Auré23 qui dit « Tu joues super bien avec les gardiens de la galaxie, même si tes répliques sont peu variées. » Je s'appelle Grunt. C'est marrant, ça, hein, je pense qu'on lui a jamais fait la blague. Salope! D'ailleurs, en parlant de salope, ma transition est toute trouvée. Tarte à gueule à la récré. Ma transition est toute trouvée. Ah, il faut que j'achète des followers. Merci Tender Deluxe, je vais acheter des followers. C'est une très bonne idée, ça. Pff, allez. Alors attention, okay, on va s'écouter ça ensemble. C'est-à-dire ma communauté et moi. T'as pas fait écouter mon vocal en live, rassure-moi. J'ai totalement fait écouter ton vocal en live. Je leur ai totalement expliqué que... Tu te servais de moi juste pour devenir pote avec Glacide, enfin pote, un peu plus que pote, hein, vu que tu veux ma bénédiction pour te marier avec lui, et je leur ai expliqué totalement que voilà, que... Salope. Pardon, allez, bonne soirée, à ce soir, bon entraînement de patinage sur roller artistique, ce qui ne veut rien dire du coup, mais voilà, hein, et puis à ce soir. Allez, connasse. Pardon, alors, j'en étais où? LMDM, faire écouter des vocaux, jamais! Moi, n'avoir aucune vie privée et tout dire à ma communauté? Jamais, je n'oserais! J'espère que tu te feras enculer par un rhinocéros, putain. Et vous voyez, ça me fait rire. Par contre, il y a d'autres streamers, ça ferait moins rire de se faire traiter de grosse pute. Moi, je trouve ça drôle. Ah, tiens, mon chauffage qui s'est éteint automatiquement, c'est génial. Par contre, ce level est une purge, hein. Je vais lui mettre un cool, parce que je suis sûr qu'il est bien, mais j'y comprends rien. Ce level est une purge absolue. Est-ce que je viens de comprendre le level seulement une demi-heure après ? Thank you so much for playing, bro! Yes, I am! Yes, I am. À peu près tout ce que je sais dire en anglais. Pfff, grosse pute! Je me casse! Pas à la race! Allez, on y va. Oh, hé, hey, hein, bon, évidemment, ne vous moquez pas de moi, vous avez pas intérêt. Oh, hé, hey, hein, bon! Mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et hein, bon. Ok.
quel niveau de merde. That's a very good level. Joe Arno, la légende, là, comment il s'appelle? Giovanello. Giovanello. That's Italian. I love the Italy. I love Dalida. Not the Italy. But. Like, she said. Et je crois que mon rêve a toujours été de devenir quelqu'un, de réussir dans la vie, dans le spectacle. Je ne savais pas exactement quoi, mais c'était ou chanter, ou jouer la comédie, ou faire du cinéma, ou du théâtre. C'était le spectacle. That's what she said. Salut, salaud. T'as pas changé d'adresse. Je connais ton numéro. Le comique, la tendresse, la violence et les mots. Qui a envoyé cette purge? Je sais pas. Ma mère la purge. C'est pour pas dire une autre insulte. Allez, c'est ton moment. Mifacidon. Ça fait 8 mois que tu m'as pu proposer de level à peu près. Donc tu me reproposes ton level immédiatement, incessamment sous peu. Eh, regardez. Eh. C'est marrant ça. Tu me proposes ton level, ensuite ce sera celui de Grunt. Voilà. Celui de Grunt, je l'ai copié-collé, mais pas celui de l'autre là. Enfin de Mifacidon. Oui, le point d'exclamation Followage. Oui. C'est qui la meuf de du coup LMDM? Attends, quoi ça parle de quoi dans le chat là? Vous me faites peur. Attendez, Tibilor, tu passeras après. Calme-toi Tibilor, Tibilor, tu te calmes. Ça me fume, il en a rien à foutre. Mais j'en ai totalement rien à foutre effectivement, ma renard. Je n'ai pas de vie privée. Ah la chance, OK, tac. Inshallah, Insensa, ouais de ouf, tout pareil hein. En vrai, je pense que c'est moins horrible une corne de rhinocéros que celle d'un cerf. Celle d'un cerf effectivement, ça doit remonter. Et ça doit faire des... Merde, comment ça s'appelle? Ah, putain, des branches... Séparation... Vous avez très bien compris. Tac. Je ne comprends pas ton message, Glacide. Mais t'es vraiment une merde, hein. Glacide! Je veux juste que tu... Je ne demande pas grand-chose dans la vie. Je veux juste que tu avoues... Que tu veux... pécho, ma pote, c'est tout. Si tu l'avoues... Je n'ai plus aucun problème. Mais si tu es dans le fameux entre-deux du « Oui, je veux la pécho, mais je le dis à personne », alors là, ça me casse les couilles. Alors, C1N, L03, tu as le droit de pécho qui tu veux, mais il faut juste que tu sois comme le maître du masque, c'est-à-dire, non pas juste un gros salaud, mais il faut que tu sois honnête. Allez, L03, évidemment, 5TG, ah bah, merci Mifacidon de me dire ta gueule, parce que juste le message d'après, c'est « Non, ça fait seulement 3 mois que je suis pas venu, et pas 8 mois. Hein » Merci, ça fait super plaisir. Woodfall Promenade. 5% de réussite. Et ça, c'est unique. Elle s'appelle comment, ma pote? Elle s'appelle Fatima. Premier nom qui me venait. Hein. Papa. Palap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 al
fait venir des plateformes. Et là, on fait repartir les plateformes. Oh, mais que c'est ingénieux. Pourquoi j'ai une érection? C'est vraiment un jeu de merde, hein. Non. Oui. Mais je speedrun là en fait. Oui. Ne plus jamais faire ce genre de cochonnerie là. Un chomp qui tombe du ciel. Ça fait peur. Mais ça fait peur premier degré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. On a reçu un vocal. Est-ce que vous voulez la suite des feux de l'amour? Il paraît que t'es speedrunner sur SMM2. Je le sais très bien que ma communauté vient sur tes lives, Grunt, pour te dire... Alors, soit elle vient te dire « Le maître du masque pue la merde », soit ma communauté vient pour te dire « Mec, comment t'as fait pour finir le niveau moins vite que LMDM alors qu'il pue vraiment la merde ?» Donc, dans tous les cas, on m'insulte. Sauf que dans un cas sur deux, on t'insulte aussi techniquement. Enfin, bref. Oui, ma vie, c'est un manège, comme une chanson, c'est le temps qu'il entraîne. Est-ce que vous voulez la suite des feux de l'amour entre Cherry of Green Gables et Glacid? J'ai reçu un vocal. Non pas deux. Non pas trois. Mais un. Attention. J'ai pas de problème avec ça. Ça va. Si tu le prends pas mal alors que les gens te disent que t'es encore pire que moi, qui suis déjà un niveau inférieur, très inférieur. Je suis un être inférieur. Un peu comme Cherry of Green Gables parce que c'est une femme, lol.
Si vous êtes de gauche, vous avez pas compris la blague. Si vous êtes de droite, vous avez rigolé. C'est comme ça qu'on connaît son parti politique. Alors, du coup. Ok, bah j'espère qu'ils l'ont pris avec du second degré. Et qu'ils vont pas faire un thread sur moi. Mais nickel, merci pour le consentement aussi. Alors ta gueule, déjà, y a pas de consentement. Enfin si, bah, tu fais ce que tu veux avec l'acide, mais c'est exactement ce que je leur disais en plus. Que ils sont normalement du second degré. Enfin, ils sont second degré normalement dans mon chat s'ils sont de droite. Et s'ils sont de gauche, du coup, ils... C'est pas moi qui l'ai dit. On m'a dit de plus parler de thread Twitter, mais quand même, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, bisous. Hop là, ça c'est fait. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Code de la route, tu streams ça? Non, mais j'ai prévu de le faire. Bolo 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 bop. Bolo 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 bop. Bolo 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 bop bop. Comment on fait une bombe? Là? Là? Ah! Eh, en vrai, je suis plutôt ingénieux quand même. Bref, je l'ai pris premier degré et je trouve que tu es une pite. Ah oui, je suis une grosse pite, je suis un fils de pite en fait. Exactement. Pite, le mec dans Smash Bros, on est d'accord. Hein. On rappelle que ce level a 5% de réussite, ce qui est littéralement le level le plus simple techniquement que j'ai fait aujourd'hui. Sur tous ceux que j'ai fait, c'est le... délicieux mon point. Bah, d'où l'expression mon point dans ta gueule, fils de pute. Fils de pite, pardon. Lis mon message si tu veux que je sois honnête. Alors, je vais lire ton message, mon cher Glacid Glee. Si tu veux de la sincérité, non, je ne compte pas la choper. Et cet entre-deux existe seulement pour t'agacer. Enfin, quand c'est pas toi qui fait mettre l'ambiguïté en scène. Non, t'as mis un kappa, ça veut dire que tout ce que tu dis est faux, ça veut dire que tu veux la pécho. Je le sais, je m'y connais en ambiguïté, d'accord? Mon père, il était ambiguiteur. Je vous déteste, je vous maudis, je suis complètement pourri. Allez, il y va. Bien sûr qu'il y va, let's go. Trop de jurons ici, c'est choquant. T'es de gauche, mec. T'es de gauche ou t'es normal? Ou t'es de droite? Pardon. On est pas là pour parler des idées politiques des gens. Mais du coup, t'es de gauche ou t'es normal? J'ai des super blagues à faire. Là j'ai des dizaines de blagues qui viennent de me venir sur le fait d'être normal. Là, j'ai des super blagues que Coluche aurait pu faire, que n'importe qui aurait pu faire, mais il suffit qu'il y ait une personne de gauche dans mon chat. Une personne. Ou alors, une personne coincée du cul, tout simplement. En général, ça rime un peu, mais. Enfin, personne de gauche, coincée du cul, ça rime en général, mais. Non! Ma mère la pute! Mais en fait, je me suis dit que voilà, s'il y a une seule personne de gauche, elle risque de mal prendre la blague et de faire un thread sur moi, quoi. Donc ça casse les couilles. Donc je ne ferai pas de blagues sur le fait d'être normal. Mais si vous aimez les blagues sur le fait d'être normal, venez sur mon Discord. J'y fais de la propagande. Des blagues! Des blagues. Des blagues sur Eric Zemmour et tout. Je fais de la propagande sur Eric Zemmour. Des super blagues sur mon idole en fait. Mon idole de toujours. Je ne suis ni raciste, ni homophobe, ni que sais-je encore. Vous savez, la cageophobe, comme disait Philippe Meuret, on la connaît, ça aussi c'est du théâtre. C'est quoi, qu'est-ce qu'on vient par là? La gauche passe son temps à inventer des concepts pour criminaliser l'adversaire. Ça fait 100 ans qu'ils font ça. Je m'en moque, je connais trop ça, ok? Donc je continuerai à dire ce que je pense, quelles que soient les accusations bidons de ce théâtre antifasciste. Antifasciste. Oh putain. Les discours de Eric Zemmour, ça me fait presque plus rire que les spectacles de Jean-Marie Guigard. Oh non, vous avez pas fait ça. Vous avez pas fait ça, les gens du chat. Vous avez pas fait ça, les gens du chat. Ah, après, je suis obligé de le mettre. Vous trouvez pas que j'ai un cri très viril quand même? Vous me dites, hein. Si vous trouvez que non, hein. Mais ma mère, en fait... Je ne ferai aucune blague sur ma mère parce qu'elle regarde des fois mes lives. Coucou maman, si tu regardes mes lives. Sache que je voulais pas être mis au monde. Et que du coup, c'est pour ça que je t'aime pas. Votre mère elle-même ne vous reconnaîtrait pas. Tu lui racontes? Ma mère me reconnaîtrait pas. Donc même si tu m'avais fait la tête de Frankenstein, elle me reconnaîtrait, ma mère, t'as compris? Ta mère a appris beaucoup de fois son décès. Ma mère a dû apprendre beaucoup de fois son décès, effectivement, à mon avis.
Attends, pourquoi ça a pas activé le bidule magique? Ah, voilà. C'est un théâtre antifasciste! Ah non! J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Ah, c'est bon. Ah, j'étais pas bien. Ah, j'étais pas bien. Vous avez vu la détresse dans mon regard. La terrible vie. C'est vrai que c'est une terrible vie, ça je reconnais. Hein. Et salut, bonsoir, à un RT. Est-ce que à un RT, tu offres un sub à la chaîne? À un retweet, lol. RT, retweet, enfin... Suicidez-moi. Oh, c'est génial! Ok, là je suppute qu'il faut que je... Ah, peut-être pas, attendez. Je vais tenter quelques cochonneries là, attendez. Imaginons un monde où je vienne et où je fais ça. Ouais. Vas-y, avance. Ah putain, qu'il est lent. Peut-être que c'est à moi d'aller dessus, mais ça me semble hyper risqué par contre. Hein. Salut, le masque du maître. Bonsoir, c'est moi. LMDM, le masque du maître. Il fallait avancer en même temps que le tourbillon. Je pensais que le tourbillon lui-même nous ferait avancer. Mais non, en fait, il fallait qu'on décale le joystick en même temps que le tourbillon. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Sympathique 00, je vais te ban. Mais au bout d'un moment, je fais exprès, c'est pas possible. Tu vas mourir, mais je le sais, Grunt. Putain, je vais mourir? Comme cet homme dans cette vidéo. Parce que cette dame est en réalité un homme. Bah voilà, tu l'as tué. Ok. On se met là, au niveau de la liane. Liane folie. N'hésitez pas à faire des super blagues sur cette personne, qui est liane folie. Paf! Alors, mais attendez, parce qu'il est pas super intelligent quand même. Et de une. Tac, 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 tac. Problème de skill, ta gueule. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais vas-y, explose! Ok, c'est bon. Alors là, maintenant, il faut que je suive le conduit. À moins que... Attendez, je vais mettre une hypothèse. Oh putain, t'es chier. Bon, on va attendre. On va attendre un petit peu, de toute façon le timer est large. Le timer est assez large, ça va le faire, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Évidemment. Je meurs encore une fois, je... T'as une charge au sol? Je n'y arriverai jamais quand même là. J'ai cassé ma biscotte. D'accord, tu as cassé ta biscotte, c'est un désastre, mais devant une situation de ce genre, il est... Après c'est à toi, Grunt, à te passer. Après je te promets, je fais ton level, Grunt. Mon frère homme, tu as compris? Oui. Oui, oui, ça tu as raison, je veux bien. Allez, il est important de savoir réagir en homme. En vrai homme. Tibilor, si t'as pas les émotes de follow, c'est probablement parce que t'es sur téléphone. C'est-à-dire parce que tu es une merde, c'est un synonyme. Comment on rajoute un niveau à ta liste? Tu attends que je finisse le level d'abord de Grunt, puis de Tibilor, et ensuite tu me proposes ton level. Y a pas de liste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le bot il fait de la merde aujourd'hui. S'il vous plaît, putain, Seigneur Saint-Dieu! Ça va le faire. Oh, Seigneur Saint-Dieu! Quel cono ce clavier! Comment ça, quel cono ce clavier? Qu'as-tu fait? Est-ce que je vais te regarder? Ok, c'est bien, on s'en bat les couilles de ce que tu me dis, it's not me get out. Eglorsbug qui dit à Tibilor, si t'es sur téléphone, faut écrire le nom de l'émote parfaitement, même avec l'accent ou la majuscule prêt pour la mettre dans le chat. Mais donc du coup c'est possible de le mettre. Ok d'accord. Le mettre un bon joueur. Je n'ai pas d'émote, le mettre un bon joueur. Par contre voilà Tibilor qui a réussi à mettre la belle émote. Je
ne stresse pas. Je suis dans un état de non-stress perpétuel. Ok, c'est bon. Si je perds à cet endroit-là, je vous offre ma mère. J'ai pas perdu. N'attrape surtout pas ça. Ça sent la cochonnerie. Ah ! Ils vont revenir, hein. Ils vont revenir, hein. S'il vous plaît. Reviens, on va vivre la main dans la main. Je suis censé faire le level de Grunt, ça fait genre à peu près 8 minutes qu'il attend. Plus que 8 minutes, ça fait à peu près 80 minutes qu'il attend. Grunt, je te promets que je vais faire ton super level, j'espère que c'est pas une putain de purge comme tu m'as dit en arrivant. En disant oui bonjour, c'est ici qu'on met les gros niveaux de merde. Je vais couper mon chauffage, si j'ai perdu c'est parce qu'il fait chaud. C'est bon, maintenant je vais gagner. Grunt, ça va gagner en 8. Tu passes combien de temps en moyenne par niveau? En général, quand ils ont 5% de réussite, à peu près 3 heures. Imagine sur des levels qui ont 2% de réussite. Alors là, c'est l'hécatombe, hein. Non. Saute. Allez, là c'est le passage facile. Il y a juste à faire ceci, suivi de cela. Ensuite, on a un deuxième passage facile. Pof. Bon. Nous sommes de retour. Ah, non, non, non! Tant pis. Chez. Mais pourquoi chez? J'ai mérité quoi pour que vous me haïssiez dans mon chat? Il y a de la glace, mais ça se gère. Il y a des strats. Il y a des stats. Ah, il y a des stats, pas des strats, ok. Et demain. Ok. Link. Link. Tu y vas. Putain, il a une grosse épée, Link, on dirait moi. Mais je peux même pas faire une blague sur l'univers du cul, putain. C'est le sexe. Hop, 1, 2, 3. Et on y va. Je vais le speedrun ce level. Je vais être le premier à le finir. Il a déjà été fini ce level? Probablement que oui, s'il a 5% de réussite, en fait, je suis un peu con. Pof! Pof! Et là, c'est mon moment. Attention, c'est le moment où je vais juste décaler sur la gauche et... Fallait pas que je bouge. C'est pas grave, ça passe, 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 ça passe. Ah, je peux donner des coups d'épée. Ah, mais en fait, mais c'est logique. Ah, mais c'est logique. Ok, donc là, je viens ici, je fais zbray, 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 kékéké. Non, mais putain. Et félicitations, Belle Vito qui remporte le sub. Je le devais depuis le début du live, donc voilà, c'est bon, content.
Non mais quel teubé ce Mario à rester accroché. On est d'accord. C'est pas moi qui suis complètement con. S'il vous plaît, dites que c'est pas moi quand même. J'ai pas de si grosses lacunes mentales quoi. Ok. Là je décale un coup. Paf. Et je bouge plus. Je peux donner des coups d'épée. On dirait vraiment il sort son chibre. Oh le thème des fées là, il me semble. Zbrekekeke. Pas mal ça. C'est quoi la connerie là? C'est quoi ça? Ouais. Ah il faut juste vivre ou survivre, seul ou même à deux. Heure sonne matin, pleure chagrin et repasse le film humide du passé dans tes yeux. Daniel Balavoine, pour ceux qui ne l'avaient pas. Easy. Easy. Free. Win. Paf. Fin du niveau. Fin du niveau. Finalement, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. C'est faux, calmez-vous. Alors, on se calme, maintenant c'est le level de Grunt. Le level de Grunt, je l'ai copié-collé, parce que c'est une priorité, ce mec est super sympa. N'hésitez pas à aller sub à sa... Non. N'hésitez pas à aller follow sa chaîne et sub à la mienne. Pardon Grunt, quand même, mais j'ai mes priorités. GBR. En même temps, moi, mon métier, bah, c'est streamer, quoi. Je dirais même... Moi, ouais, mon métier, c'est feignant. Hé, mec, t'as pas 100 balles. Oui, je sais, Grunt, tu l'aurais fait first try ou du deuxième try, le level, je le sais. Extrême taupe, là. Oh, je déteste les taupes. C'est pas vrai, Grunt. C'est pour te trigger. Moins d'un pourcent de réussite. Vas-y doucement et tout ira bien. Moi, j'adore les levels comme ça. Moi, les levels où il faut aller doucement, atteigner, ramasser tous les champions one-up. Condition de victoire que je crois que je n'ai jamais vu. Je sais même pas qu'il existait, mais ok. Ok. Assez-il tout étant... C'est normal que tout est à l'envers. C'est de la cochonnerie un peu. Non. Il y a déjà un truc que je comprends pas. Je suis pas fait pour jouer comme ça. A la rigueur, si je retourne ma manette. Ah bah non, parce que la gauche et la droite là sont inversées. Oh non, c'est casse-couille. Si je... Bah non, là aussi c'est casse-couille. Ah non, c'est vraiment chiant en fait. Y'a vraiment aucun moyen, Jaja. Ok, en tout cas j'en ai déjà un, des champignons one-up. Hey, salut Gab, comment tu vas? On fait encore un essai. Hein. Et il faut maîtriser les wall jump. Ferme-la. Les wall jump. C'est vrai que ça existe, ça, les wall jump. J'suis trop con. Mais oui. Oh, mais d'accord, mais oui, mais... Si on me dit pas les évidences évidentes. Comme quoi que c'est qu'il faut faire des wall jump. Et moi, je peux pas savoir. C'est pas évident de savoir ce qu'on sait pas. Je sais pas si vous me suivez. Il faut juste pas stresser parce qu'il y a un trou à côté. Et je vous ai déjà dit, j'ai peur des trous. Le premier qui fait une blague avec le fait que j'ai peur des trous, il est ban. On va là-bas. C'est bien. Non. C'est bon. J'y suis. Comme la région dans Pokémon Légende Arceus.
Ok, attendez. Les fameux wall jump. Wall jump, c'est Kaizo, fais gaffe. Mais non, mais je crois que tu te moques de moi là, j'en prends plein la gueule. C'est bon, j'ai compris le principe du... Déjà, le niveau de base, sans les taupes, il serait déjà hardcore pour moi. Mais là, rajouter des taupes qui ont en plus un pattern random, parce qu'ils peuvent lancer leur clé à molette vers le haut, vers le milieu, ou vers le bas. Et tu ne sais jamais où elles vont la lancer. Zizi. Ah, Zizi! Zizi! C'est bon. Parfait, ça. Maintenant, je me dépêche. Mais la gravité, ça va vers le bas, pas vers le haut. Je l'ai appris en cinquième, quand j'ai fait de la physique chimie. À toi d'observer le comportement des taupes et d'agir en conséquence. D'ailleurs, le titre du live, c'est « Je ne rage pas, sinon conséquence ». Donc, depuis le début du live, je n'ai pas ragé. J'ai juste été un petit peu soupaulé, si je puis dire. Et c'est ça mon métier. Mon métier, c'est de jouer aux jeux vidéo, de souffrir. Je pense que j'aurais moins souffert si j'avais fini échafaudeur comme mon père. Qu'en jouant à des jeux de merde comme ça. C'est une souffrance bien plus grave que n'importe quoi. Oh, non, 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 non. Ok. Ok. Que personne ne s'énerve. Que personne ne s'énerve. Je suis le seul ayant le droit de m'énerver. Oh ! Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis content de moi. Je suis fier de moi pour la première fois de ma vie. Regarde, maman. C'est extra. C'est extra. C'est extra. ...1% de réussite. J'en ai déjà fait avec 0,5% de réussite des levels. A chaque fois qu'on me dit « Oui, c'est un level qui est simple, il faut juste prendre son temps », en général, j'ai réussi ces levels. Donc là, je ne peux pas me permettre de ne pas réussir. Je sais pas si c'est français, mais... Je ne peux pas... me permettre... Je crois que c'est français, j'ai un doute, mais Mais dans mon cœur, c'était français! Ce cri si aigu. Elle est très belle, les mots de Pucci, Grunt. Genre, ne pas foncer sur une clé si tu vois la clé arriver. Merci pour le conseil, Grunt. Cela m'est d'une utilité... quelconque. Ok. Mais c'est random, ces taupes, là. Voilà pourquoi j'aimais pas la chaîne Taupe 10, parce qu'il y avait des taupes, je déteste ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Là, si je réussis pas maintenant, j'offre ma virginité à votre mère. Je choisis aléatoirement. Ah, c'est la mère de Grunt qui va y passer. Il est sympa et attirant. Bah, méfiez-vous. C'est un truand. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prend attraper, pour mieux attraper, pour mieux attraper les mamans. Il fait rigoler les enfants. Il est plus drôle que bien des pères. Oui mais il est, oui mais il est, oui mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous. SFR, j'ai plus de co. SFR, j'ai plus de co. Quand j'ai vu SFR, je me suis dit, oh non, putain, un bot qui va faire de la pub pour SFR fait chier, en plus c'est de la merde. Et non, 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 SFR, j'ai plus de co. Exactement. D'ailleurs, est-ce que vous voulez une anecdote? Alors, ma grand-mère, elle était chez SFR, pas pour la boxe, juste pour appeler. C'est les forfaits d'il y a 20 ans pour appeler. Et aujourd'hui, officiellement, aujourd'hui, elle est passée de SFR à Orange. Ma maman, elle a fait les démarches, et puis...
elle est passée à Orange et comme ça elle a 2 heures de télécommunication supplémentaires par mois. N'hésitez pas à spammer de c'est bien dans le chat. C'est bien. J'avoue, SFR c'est vraiment de la merde, on est d'accord. Je dois établir une stratégie. Je dois établir une stratégie. Je suis un stratège Pokémon. Je suis un stratège Yu-Gi-Oh. Je ne peux pas ne pas avoir de stratégie. Glursbgue, t'as vu leur mère la purée. Let's go. Attention aux insultes quand même. SFR, j'ai plus de co. Tout de même. Tout de même. Traiter les gens de police départementale, ça ne se fait pas. Du moins pas en live sur Twitch. Tu t'es fait gift, Gab? Alors, je crois que ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il y a Pandalia qui a fait un craquage il y a... il y a quelques jours et qui a fait 100 gift sub. Enfin, c'était mardi. Donc, effectivement, il a été gift sub parmi les 100 gift sub. Donc, ce qui fait que c'était très probable qu'il soit pioché, hein, finalement. Ah, c'était genre totalement... con. C'était totalement con. C'est tellement compliqué de pas être choisi en tant que sub. Enfin, genre sur 100 subs, ça choisit à peu près tout le monde sur la chaîne Twitch, quoi. Moi, j'ai pas rip. Bah, fallait être là mardi, Clément. Chez, comme on dit dans le milieu. Gros chez à toi, finalement. Ça t'apprendra à ne pas booster mes stats, à pas booster les stats de ton nouveau streamer préféré. Et même si je ne suis pas ton streamer préféré, bah, je m'en bats les couilles, en fait. Tu dois être là sur mes lives, c'est comme ça. Quand tu follow la chaîne d'un streamer, tu dois être là sur l'entièreté de ses lives. Sinon, il te banne de sa chaîne. Ceci, Grunt, ceci, tu m'entends? C'est mon dernier essai sur ton niveau. Je n'y touche plus jamais, après. J'ai aussi été gift. Ah, c'est bien, Tibilor. S'en branle. C'est General Mass, mon préféré? Mais je préfère aussi General Mass, hein, plutôt que toi, mec. Parce que General Mass, lui, il m'offre des sub-tier 3, alors que toi, jamais. Donc forcément, je préfère General Mass, quoi. À vous, tu me préfères à tes modos. Exactement, Glacide. Et c'est pour ça que je vais faire slash VIP Glacide. Hop. Et tant que t'es VIP, t'as pas le droit de pécho à Cherry of Green Gables. Alors, voilà. Du coup, t'es VIP sur la chaîne pour à peu près une éternité. Ouais, exactement, Angler. Enfin, non, pas exactement, Angler. Non. Ok, proposez-moi des levels. Allez, c'est parti, c'est ton moment, Tibilor. Et ensuite, je prendrai les autres levels. Allez, les autres levels. J'ai perdu ma bague. Alors, Tibilor, t'avais un level à me proposer. Pardon. Non, mais non. Plus jamais je fais un tel level, Grunt, c'est bon. Non. Tibilor, code créateur, tu peux choisir le niveau que tu veux. Lis ce message. Quand tu mets un message en avant, en fait, Tibilor, ce qu'il faut que tu saches, c'est que chez moi, ça l'affiche en gros, en gras, en rouge, en bleu. Je suis daltonien, donc c'est en bleu, en fait. Ou en violet, je sais pas, en fait, je suis daltonien, je crois que c'est du bleu. Bref, ça affiche le message en gros, voilà. Et quand tu fais une faute d'orthographe à l'intérieur du message que tu prépares, c'est-à-dire du message où tu payes, littéralement, tu payes pour le mettre en avant, ça fait vraiment très con d'avoir une faute d'orthographe avec « lis ce message SE ». Genre vraiment, ça fait vraiment très très con. Au point que j'ai presque pas envie de faire ton level. K0W, j'en fais des fautes d'orthographe, hein, y'a pas de problème. Mais quand même, quand tu payes pour mettre un message... Vérifie au moins une deuxième fois, quoi. T'es pas si con, si? Un peu quand même. HFF. Et salut, grosse tête. Salut, Astromat, comment tu vas? C'est un stage facile. Caverne des taupes, super easy. Bon, alors je le prends ton level, mon cher Ground. Hop, je le copie-colle. Merci, Grunt, tu es instrument. Tibilor qui est belge? Mec, tu viens d'apprendre un truc, je ne savais même pas que t'étais belge, Tibilor. Bullet Bill Crusher, level ID. This is an... ID for you level. T'étais un peu comme moi, toi, t'étais pas très bon en anglais, je crois. Hein.
Un RT, je fais ton level après, et ensuite celui de Ground. Ton stage est ultra simple, un RT. Ça va me détendre. S'il a moins de 10% de réussite, je le ferai pas. Ah, c'est pas con comme principe de level, ça j'aime bien. Mais c'est que c'est pas con. Alors, j'ai pas dit que c'était bien, mais c'est pas con en tout cas. J'ai bien aimé, parce que au moins le level était court et je ne suis même pas mort. Donc j'ai bien aimé. Je peux pas dire que le level était trop court, je peux pas me plaindre de la facilité du level après ce que j'ai fait là depuis des mois sur Mario Maker. Je ne peux pas me plaindre de la facilité d'un level. Voilà. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas humainement concevable. Allez, c'est parti. Let's go pour 1 RT du coup. 402. 402. 0 HJ. Intérêt à ce que ton level soit vraiment bien. Tu m'as dit qu'il était easy. Le mien, please. Je suis en train de faire quoi, 1 RT, t'es con ou quoi? Je sais que t'as mis le message là avant, mais c'est juste pour te trigger. J'aime bien trigger ma communauté. Tac, 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 tac. Et merci beaucoup, la Twingo de The Kairi. Tchouki tchouki tchouk, 0 VVG. Ok. Glacide, l'heure que je vais voquer avec Cherry. Attends, c'est vrai ou pas, Glacide? Faut que j'aille voir un truc sur Discord. Alors, Discord, Discord, Discord. Tac, tac, tac. Mais elle est pas connectée. Normalement, elle est au patin. Non, c'est faux. Mais oui, parce que normalement, elle est au patin. Tu m'as fait peur. Mais... Ah, j'ai mal. Eh hey. Pardon. Mon level en anglais, moins 1000. Bah, Tibilor, on est deux. C'est simple. Le mien, il y a Yoshi. T'es invincible. Tu le perds pas. Ça me va. Ça me va, mon cher Grunt. Atteignez l'arrivée en tant que Link. Ça veut dire il faut tirer. Ça veut dire... Il faut tirer. Ou encore tirer. J'ai pas vu le pourcentage de réussite de ce level de merde. Ah, pourquoi c'est pas marqué ici? Est-ce que ça rattrape ça? Attends, j'ai une question. Ah oui, tu m'en as appris une belle là. Putain, je savais pas que les flèches elles se permettaient d'attraper. Mais c'est génial. Ce jeu est bien. C'est bien. La clé, ok. Pour l'instant, effectivement, j'aime bien ton level. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est même plutôt sympa. C'est bien, ça change, ça change, ça change. Là, il faut utiliser de la bombe, je suppose. Ça, c'est de la bombe, bébé. Lol. C'est marrant, ça. Ok, classique, bien. Franchement, vous devriez changer de façon de faire des levels. Et faire des levels simples comme ça, tout devrait changer tout le temps, ce serait bien plus amusant. Hein. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On se croirait dans Minecraft, en train de détruire des blocs de cobble. 38% de réussite. Bon ouais, donc effectivement, le level est ultra easy. Je crois que j'aurais dû bloquer avec le bouclier, me semble-t-il. Ah putain, mais il donne... Mais comment tu peux avoir 30% de réussite sur un level aussi simple? Je suis en train de tuer Ganondorf là. Oui, c'est Ganondorf. Enfin, c'est Ganon normalement. Voilà, c'est Bowser, mais je suis en train de tuer Ganon quoi. Imaginez que c'est Ganon. Ouvrez vos chakras. Il peut pas me toucher quand tu es proche de lui. Comment ce niveau peut avoir 30% de réussite alors que je l'ai first try moi? Moi-même. Pas Mohamed, moi-même. C'est génial. Seul Link peut vaincre l'effroyable boss war. Tout devrait changer tout le temps. J'aime bien Antoine. Très bon chanteur. Avec ses chemises à fleurs. Ça rime. Donc c'est encore mieux. Les bases de Link. Bah, j'ai appris les bases de Link. Pourtant, je savais mal gérer le truc, donc c'est bien. Alors, il est bien. Il était très bien, ton level 1 RT. C'est parti pour le level 2. Eh, salut, Wavy80. Je suis un streamer qui suis super fort à Mario Maker et à Mario 64 et à tous les Mario en général. Et si tu me crois pas... Tarte ta gueule à la récré. Évidemment. LDY. Le level de Grunt, et ensuite vous pouvez me reproposer des levels. Vous avez le temps. J'allais dire, on a même pas fait une heure de live, tu sais, on est déjà 1h15 de live, mais vous avez le temps quand même.
façon, j'ai pas de programme, je suis chômeur. Des larmes coulent. 5 NG. En avant. Caverne des taupes, super easy. Alors pour moi, un level super easy, ce que ça représente dans mon esprit, c'est un level qui est à peu près 90% de réussite. Là, le level a moins de 2% de réussite. Je pars, bye. Au revoir, Tibidor. Tu te casses ? Je me casse. Ah pas la vase. Non, c'est faux, Grunt. Il a pas 2% de réussite. Il a 1,99% de réussite. Donc, il a moins de 2% de réussite. C'est comme ça qu'on manipule les gens. C'est comme ça qu'on manipule les chiffres. Quand il y a marqué 2%, mais que c'est à peine une fraction en dessous de 1%, tu dis c'est en dessous de 2%. C'est comme ça qu'on modèle les chiffres. Alors qu'à l'inverse, si tu veux faire, si tu veux montrer que le level a un gros pourcentage de réussite, tu dis mais il a 2% de réussite. Alors que non, techniquement, il en a pas. C'est invincible avec Yoshi. Alors comment ça se fait qu'il a 2% de réussite? Mais pourquoi il y a des trous partout? Il y a Serge Gainsbourg qui est passé par là, c'est sûr. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours okay. Des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue. De quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un ennui, le mettra dans un grand trou. Et j'entendrai plus par les trous. Des petits trous. Je suis pas ma cible. Des petits trous, des petits trous. 2% car les gens sont nuls. T'insultes ma mère, là je reconnais. T'insultes ma mère, t'es en train d'insinuer que je suis nul parce que je viens de perdre, c'est ça? On est reparti. Je m'en fous de tout ce que les gens disent. On peut aller là, let's go. Le niveau a environ une centaine de taupes. Ah bah ça va, s'il y a que 100 taupes alors. Il y a que 100 taupes alors. Mais est-ce qu'il y a Patrick Topaloff? Et la personne à la ref. Et donc c'est pour ça qu'on va aller écouter du Patrick Topaloff. On va aller écouter du Topaloff. Et vous avez mérité en fait. Déjà ce level, en vrai je l'aime bien. Hop, hop. Topaloff. Topaloff et Sim qui chantent « Ouais ma chemise grise, ouais ma chemise grise. » Ou « Ouais ma chemise grise, ouais ma chemise grise. » Évidemment référence au film Grise. Vous l'avez chez vous? Allez. Allez tous ensemble dans le chat. Patrick Topaloff et Sim dans Où est ma chemise grise. Depuis tous ensemble. Je danse comme Travolta. Toutes les nanas tombent dans les bras. Ok, pas mal. Alors, baby, pas dégueu. Accroche-toi et trouve-la moi. Je dois faire quoi avec ça? Je l'ai repassé. Snapping. Non, c'est pas la même chanson. Allez, tous ensemble, là. En plus, il y a ma meilleure pote qui a regardé ce film hier soir. Non, avant hier soir. Où la tu mises? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Wow. Merci, vite, assis de m'accompagner, je ne suis pas tout seul. Si tu veux, je peux essayer. Je peux me coiffer et me maquiller comme Olivier. Allez voir le clip de Où est ma chemise grise. C'est presque encore mieux que. Oh, il y a une taupe ici. Reste avec moi. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est du topinambour? J'attends pas. Il attend pas, hein. C'est bon, le Yoshi, Yoshi. Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? C'est bon.
dois aller où maintenant? S'il vous plaît! Grunt, on est d'accord qu'il m'a trigger en me disant que c'était un level hyper simple, super easy. N'hésitez pas à me proposer un nouveau level du coup. Je suis faible. J'ai peut-être vite fait rage quit. Grunt, pardon! Je n'ai aucun respect pour toi! Oui, c'est moi qui j'ai le droit de rage quit. C'est simple pour de vrai. C'est simple, peut-être pour de vrai, mais pour Loïc et pour le maître du masque, c'est-à-dire c'est pas simple. C'est marrant ça. Oui, c'est moi Loïc. Enfin, moi c'est Jérôme aussi. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. C'est invincible avec Yoshi. J'ai l'impression que tu mets des. J'ai l'impression que tu veux juste pas m'énerver. Enfin que... Oh non, 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 mais en fait j'ai l'impression que t'essaies d'être gentil avec moi. Genre comme si j'étais un enfant, je te ramenais un gribouillage et tu faisais « Ah, c'est pas mal, c'est bien. » Tu gardes le Yoshi, tu meurs pas. Mais je n'arrive pas à le garder. Pardon. Mais je n'arrive point à garder le Yoshi, Grunt. Clin d'œil, clin d'œil. Let's go. Au pire, mardi prochain, tu peux me reproposer le level et puis je peux tenter de le tryhard. C'est en général le mardi où je fais du gros tryhard sur des levels. LVY 2JG. Bon, on a quoi de beau? Je pensais que t'aurais été à la moitié au moins. J'ai envie de te faire un énorme doigt. Mais je sais pas si ça passe sur Twitch. Est-ce que je peux te faire un énorme wad? Là, c'est un 6 et pas un G. Je me suis trompé. Shell Overload. Fragile Shell Collection. 0%. Mais en même temps, il y a eu que 2 essais. Il y a 0% de réussite, mais il y a eu que 3 essais, donc ça peut se faire. Tu t'es trompé, c'est pas grave, ça arrive de se tromper. On dirait que ça te gêne. Oh putain, niveau à scrolling. D'accord, c'est pour ça que ton level pue la merde. Ok, c'est pour ça, Ich bin du Beast, bonsoir. Ton level pue la merde juste parce qu'il y a un scrolling. S'il n'y a pas de scrolling, ton level serait probablement un très très bon niveau. Oh, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Pouette, 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 pouette. Je fais super bien les violons avec ma bouche, hein. Pouette, 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 pouette. J'ai mis bien le violon quand même, non? En vrai, tant que j'ai une carapace dans les mimines, ça le fait. Là, par exemple, j'ai pas de carapace dans les mimines, c'est chiant. Stresse pas, Loïc. Stresse pas. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Pouette, 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 pouette. Crever. Ah non. Crever. Ouais, ça c'est bien ça. Il faut crever, ça c'est bon pour la santé ça. Non, il a failli glisser. Ok, c'est bon. Tout va bien. Oh là là, mais c'est si lent, putain, mais Mario. Si tu fais un level à scrolling, fais en sorte au moins qu'il soit rapide, quoi. Félicitations! Oh, je me suis fait prank. Oh, je me suis fait prank. Non, 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 non. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est super simple. Le level est plus simple que prévu. Il est juste long. Et pour une fois, il y a rien à voir avec l'univers du pénis. Vraiment, c'est long et dur. C'est court mais bon, quoi, finalement. Je vais laisser un petit peu scroll. Scroll, 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 scroll. En fait, j'ai senti que c'était fini parce que j'ai vu que la carapace dans mes mains, elle est en train de se réveiller et je me suis dit, non, putain, j'aurais pas le temps. Enfin, fermez-la, d'accord? Fermez-la. Fermez-la. Vraiment, en fait. Je rigole pas avec vous, moi, je suis pas votre pote. Ok. Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Où l'as-tu mise? Où est ma chemise grise? C'est bon. Et vous êtes content, hein?
de me faire mettre des conneries dans mon stream deck après. Ça y est, j'ai crié tellement fort que j'ai mal à la tête. Attends, il faut tuer 100... Attends, il faut les tuer. On est vaincu au moins 100 Koopas. Oh, quel niveau de merde. J'avais pas fait gaffe à la condition de victoire. En vrai, tant mieux du coup. J'avais pas fait gaffe à cette condition. Ok. Où l'as-tu mise? Ok, déjà 22 tués, ça c'est bien. Ça n'a rien à voir, hein. Je mets des musiques qui ne servent à rien. Mais juste parce que je les aime bien. Et parce que ça me déstresse en fait. D'accord. T'inquiète, on ne te juge pas. Là, ça, j'en suis pas sûr. J'aime bien me faire juger, moi je trouve que c'est drôle quoi. Oh là là, pas rigoler, on peut pas se moquer des gens. J'allais dire autre chose, mais bon. Ça allait encore être mal pris par les gens de gauche ou quoi. Hop. Ok. Easy. Simple. Basique. Simple. Basique. Attendez. Est-ce que c'est... Ok. Je viens d'apprendre un truc. C'est bien. Le jeu m'a appris quelque chose. C'est pas quand tu sautes sur une Koopa que ça la considère comme morte, ce qui est dans un sens logique. C'est seulement quand t'as pris sa carapace et que tu l'as lancée. Parce que c'est vrai que sinon, elles peuvent revenir à la vie. Enfin bref. Vous m'avez très bien compris. Vous voyez ce que je veux dire. Non? Si. Je saute sur mon Vespa et je rentre vite chez moi. J'éteins la lumière sauf un néon, je prends ma guitare, je joue le rock'n'roll. Rock'n'roll. C'est vraiment la classe. J'ai mis mon blouson noir de 2 et je m'asperge de brillantine, y en a même pas assez. Et je m'admire et je m'adore si vous me voyez. Vas-y, fais spawn des tortues, là. Tac. 26. Salutations, bande de femmes de joie. Bonsoir, Mimix. Comment tu vas? Effectivement, je suis une femme de joie, mais ça, par contre, je sais pas comment tu le sais. Qui te l'a dit? C'est ma mère? Enfin, c'est pas ma mère, enfin... Allô? Je dis pas que ma mère est une femme de joie, enfin... Je le dis pas en live, en tout cas. Enfin, si, je le dis en live, mais... Oh, fermez-la. Tiens, toi, tu crèves. Y'a moyen, Jaja, ici? Oui, y'a moyen. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Donne-moi ça. Si je la lance, on est d'accord qu'elle va me considérer... Elle est considérée comme morte, non? Non? Ok, ça c'est bien. Ça m'en fait quelques-uns de morts supplémentaires. Parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. C'est vers ici que je suis mort, non? Il me semble. C'est vers ici que j'ai stressé et que je suis mort, je crois. Si je ne dis point de bêtises. Ok. J'ai besoin de me concentrer. Et comment je me concentre chez moi? C'est simple. Avec une musique de Professeur Layton. Une musique de tension. Ça. Si je perds là, vraiment j'offre un sub encore. C'est pas vrai. J'ai menti parce que j'ai croisé les doigts, vous l'avez pas vu. C'est maintenant. Vos gueules, fermez-la, d'accord, vraiment. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce live parce que moi du coup je ne donnerai pas mon avis. On se retrouve demain pour du speedrun salé de Super Mario 64. Je vous fais des gros bisous. Il faut que je pense vraiment à acheter la nouvelle caméra du coup. Je vous retrouve demain à 18h. J'espère que vous avez été hype par le Nintendo Direct de hier. Il y a pas mal de jeux qu'on va pouvoir se faire cette année du coup.
Et puis à demain, c'est vraiment pas nice. Oui, je viens de rage quit. Allez, au revoir, gauche et glouglou. Et le message de Red, ce sera spoil. À la fin, le mec il meurt, évidemment, parce qu'il est en train de découvrir Pokémon Legends Arceus. À la fin, le mec il meurt en mangeant une canette de bière, évidemment, pour rester dans des rêves de Renault. À la fin, le mec il meurt en mangeant une canette de bière. Hop. Contrôle C, contrôle V, voilà, vous pouvez lui spammer ça dans son chat, vous pouvez lui écrire 3, 4 fois, 5 fois, il faut aller le faire chier, hein. Faut aller faire chier mon glouglou, notre glouglou national, je vous fais des gros bisous, rejoignez-le, il découvre pour la toute première fois Pokémon Legends Arceus, une semaine et demie après sa sortie, c'est très très bien, je vais me faire un plaisir de rester sur son live pour le voir découvrir le jeu, des bisous, et puis, à demain, salut!